Bonjour à tous et bienvenue dans Made in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Dans cet épisode 8 de la saison 3, nous parlerons de l'actualité de la Régionale 1, mais aussi du 32e de finale de Coupe de France entre Lille et le Golden Lion. Cette semaine, nous sommes aux côtés du CS Casse-Pilote, auteur d'une honorable première partie de saison. Les hommes de Maurice Narcisse tenteront de faire mieux que la saison dernière. On terminera avec le Matinino Mathis Priam. Le prometteur milieu de terrain de la Samaritaine nous dévoilera les secrets de son excellent début de saison. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et ravi de vous accueillir pour cette première rubrique actu de l'année 2024. À cette occasion, je suis avec Lionel Victoire. Comment ça va? Ça va bien et toi, bien Axel? Très bien, très bien. Entraîneur de la relève lamontinoise. Toujours Axel, toujours. Bonne année. Merci, santé. Quelles sont tes résolutions pour cette année 2024? Résolution, c'est toujours rester aux côtés de mes joueurs, ouais. Et permettre à mes joueurs d'être au plus haut niveau pour qu'ils puissent performer et encore être champion de Martinique. D'accord. Par ailleurs, il y a ton ancien capitaine, Melvin Brice, qui a rejoint le club de Kingersheim, c'est ça? Kingersheim, classé 5e en D1 Futsal. Je pense que c'est pour nous la relève lamantinoise une très bonne chose. Ouais. Ça montre que le futsal martiniquais est suivi par le niveau national. Et Melvin Brice, qui est là depuis 26 ans à la relève lamantinoise, ouais. Il a obtenu ce Graal, c'est-à-dire pouvoir toucher au plus haut niveau du futsal national. Après un essai infructueux au Nantes Métropole, cette fois-ci c'est la bonne? Cette fois-ci c'est la bonne, il est parti. Il a signé sa licence d'ailleurs aujourd'hui même. Donc, en tout cas, je suis fier en tant qu'entraîneur, même si effectivement je perds un cadre, pour moi l'un des meilleurs gardiens de la Martinique. Il sera remplacé numériquement? On essaie de le trouver, mais on a quand même deux très bons gardiens, même trois, avec Xavier Lemuel, qui est selon moi au même niveau que Melvin Brice, et puis Jimmy Merlini, qui est quand même un gardien d'expérience qui va pouvoir cadrer tout ça avec Dario Tunrofi, le troisième gardien. Super. Hacham Souleymane, comment ça va? Bienvenue. Merci. Ravi d'être avec vous ce soir, Axel. Capitaine de l'US Roubaix. Ouais. Bonne année. Quelles sont tes résolutions? Merci déjà. Bonne année aussi à toi. Bonne année à tous. Les résolutions, j'ai envie de te dire, m'impliquer encore plus, me donner à fond pour le club, pour justement lui permettre de retrouver la R1. Hein. C'est l'objectif prioritaire, on va dire. Ouais. Vous êtes troisième à 6 points du premier. Ouais. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Tu penses... C'est vrai que c'est pas facile. On avait fait un très bon départ. Ouais. Et puis, bon, on a un peu pioché à l'approche du virage de la Noël, on va dire. Donc là, on s'est dit les vérités. Ouais. On essaie de remettre le bleu de chauffe et puis on va voir vers où ça va nous amener, quoi. Je te souhaite cette montée en R1. Ouais, merci. Très bien, messieurs, on va commencer cette actu avec l'équipe type de cette première partie de saison qui a été établie selon les observations du média RCI et de la Ligue de football de Martinique. Hacham, t'en penses quoi de cette équipe? Alors franchement, moi je trouve que c'est une équipe qui est cohérente, ouais. Équilibrée surtout. Si moi j'étais entraîneur que j'avais cette équipe-là... Champion? Je m'assois sur le banc, je ne parle pas. Champion, je ne sais pas, mais j'ai promis cacahuètes et je ne parle pas. Y a-t-il un joueur que tu aurais souhaité voir qui n'est pas justement dans cette formation? Ouais, au poste de gardien. Ouais. Je ne dis pas qu'Alexis Lovi ne mérite pas, mais pour moi, Aldric Boulois m'a fait une très très bonne impression, un gardien de venir, et qui au poste de gardien au club franciscain depuis quelques années, un poste assez instable, le club franciscain qui nous avait habitués à avoir de très bons gardiens pendant des années et des années. Et puis depuis quelques années, depuis le départ de Loïc Chauvet, c'était un peu, voilà. Et puis là, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé chaussures à leurs pieds, quoi. Lionel, tu en penses quoi de cette formation? Je pense qu'il manque un joueur important. Fonseca l'a dit, portugais, Lillois, il disait qu'il y avait trois joueurs à surveiller. Ouais. C'était Parsemain, Catherine et puis Jordi Bouyel. Pense que Jordi mérite largement sa place. Un, parce qu'il s'entraîne, c'est un travailleur. Et puis c'est quand il est sur le terrain, il défend, il attaque, il dribble. Il met toujours la pointe du pied à un moment où il ne faut pas mettre, qu'il va trouver un pénalty pour Kevin Parsemain. Jordi mérite. Et puis, je voudrais ajouter comme entraîneur Gilles Précard, parce que Gilles Précard fait une très grosse saison avec le club PL1. Effectivement. Il surprend tout le monde, Gilles Précard. Donc, si on doit mettre un sélectionneur, un entraîneur dans cette équipe, j'aurais mis Gilles Précard et puis rajouter Jordi Bouyel. D'accord. Et monsieur? Et Aldric Boulois. Et monsieur, quel est le meilleur joueur de cette première partie de saison? Hacham. Lionel. Ah là 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 là. Le meilleur joueur. J'aurais mis Marvin Bellens parce qu'il m'a surpris. On a joué avec lui à l'US Roubaix. Et il a passé ce cap. Alors, il a déjà joué au club colonial lors de la grande époque du club colonial. Il réalise une très bonne saison. Il a fait, pour moi, un bon match contre les Lillois. Franchement, si j'avais un meilleur joueur cette année, en plus, une révélation, on va dire, entre guillemets, c'est Marvin Bellens. Hacham?
Il y en a tellement que je pourrais citer, Axel, parce que en plus, moi, j'ai la chance de voir plein de matchs. Ouais. Je suis un féru de ça. Mais si je dois t'en citer un, bon, allez, je te dirais Norman Grelais, quoi. Métronome, véritable métronome. On l'a vu encore là, contre Lille. Quelqu'un d'une sérénité. Voilà. Et pour moi, ouais, c'est un top player. Ouais. Je suis très heureux de mon début de saison. C'est dû à une bonne préparation individuelle et collective avec l'équipe. Et c'est récompensé par cela. Mon objectif personnel, ben, retrouver les couleurs de la sélection, en fait. Hein. Ça fait 3-4 ans que j'y ai pas touché. Ça fait plaisir d'y retoucher, de m'entraîner avec et voilà. Messieurs, j'aimerais qu'on revienne sur le 32e de finale de Coupe de France entre Lille et le Golden Lion. Les Joséphins se sont lourdement inclinés 12-0. Lionel, faut-il avoir honte de ce résultat ? Pas du tout. Je crois que dans cette défaite-là, les Joséphins vont apprendre. Ils vont apprendre tout d'abord et puis... Il faut quand même dire aux Martiniquais qu'aujourd'hui, ces équipes, elles nous respectent. Parce que l'année dernière, l'Aiglon a été jeu contre Amiens et l'entraîneur me disait « Je suis obligé de mettre une équipe, je dirais, potable pour battre cette équipe de l'Aiglon du Lamantin. » Les Lillois ont respecté le Golden Lion, ils les ont battus 12-0. Et je sais que le président Saint-Honoré, il va pouvoir récupérer le maximum de choses positives pour relancer la machine du Golden Lion. Et puis, en tant que joueur... J'aurais bien aimé prendre 12-0 au Salle Pierre-Mouras. Sincèrement, vive cette aventure. Ah oui, vive cette aventure. Hachan, on considère notre championnat au niveau N3-N2. Cependant, une équipe de l'Hexagone aurait-elle perdu 12-0? Est-ce qu'elle aurait perdu 12-0? Oui, probablement. Je reste persuadé, intimement convaincu que les meilleures équipes de notre championnat de R1 peuvent effectivement s'inscrire dans un championnat de National 3, National 2 sans être ridicules. Ouais. Maintenant, il ne suffit pas de le dire. Quand on inscrit une équipe dans un championnat de N3, il y aura les infrastructures qui iront avec, il y aura le suivi médical qui ira avec, un suivi de performance, de la data, tout ça. Mais je suis persuadé qu'on prend le Golden Lion, le club franciscain, j'en passe, et qu'on les inscrit là-bas avec tous ces suivis-là, je suis persuadé qu'on fait bonne figure. Bah, moi, je pense que le problème, c'est pas une question de score. Vous pouvez un jour, une équipe de football... n'est pas toujours prête au bon moment. Ce n'est pas parce que le Golden Lion a pris 12-0 il y a une semaine que trois mois avant, il aurait pris 12-0. C'est vrai qu'on arrive à un moment de l'année où on a fait beaucoup de matchs, où les organismes sont en difficulté. On n'a pas notre effectif titulaire. Donc déjà, vous jouez une équipe comme le LOSC, un top 4, top 5 du championnat de Ligue 1. J'ai envie de vous dire que c'est la première fois. Aucune équipe martiniquaise n'a jamais joué une Ligue 1, top 4 ou top 5. Je me rends compte qu'il y a aussi un peu un problème de calendrier. Comment nous, les clubs martiniquais, on peut arriver à ce moment-là, parce que ça se passe toujours la première semaine de janvier, hein, 8 heures de vol, 8 heures de décalage horaire, 30 degrés de température d'écart, moins de 4 jours pour préparer le match, parce qu'on est parti le lundi, on arrive le mardi, et on joue le samedi. Donc il y a, franchement, pour moi, il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est difficile de jouer ce genre d'équipe. Maintenant, je trouve ça très formateur. Messieurs, terminons avec les GRT. C'est le début de l'année. Je souhaiterais avoir vos vœux pour le football martiniquais. Je vais commencer avec toi, Hachan. Ouais, j'en ai beaucoup des vœux pour le football martiniquais, mais une pensée toute particulière pour les arbitres. J'aurais souhaité, je souhaite de tout cœur, franchement, moins d'incivilité. C'est vrai quand il n'y a pas de football à la télé, on est tous orphelins du foot. On attend que le foot recommence, que le foot reprenne. Ouais. Et bon, on sait aussi que quand il y a des incivilités, forcément, il y a des dépôts de sifflets et j'en passe. Ouais. J'aurais souhaité, franchement, qu'on en... Bon, on ne sera jamais content. Il y aura toujours des petits conflits, mais qu'on ne dépasse pas les bornes, on va dire. Ouais, j'aurais souhaité ça, surtout pour cette année. Lionel, quels sont tes vœux? Mes vœux ont tout droit pour les bénévoles, hein, les éducateurs, qui puissent continuer, justement, à former, à développer notre football. Il faut les féliciter. Mais bien sûr, et puis leur donner justement la meilleure des santé, parce que je crois que sans la santé, il n'y aura pas de football derrière. Et sans eux, il n'y aura pas de football. Donc vraiment, je pense à nos bénévoles. Et puis quoi, j'espère aussi que la famille football, qu'on puisse s'asseoir pour qu'on puisse voir comment on peut faire pour progresser nos infrastructures aussi. Ouais. Et puis pourquoi pas rajouter peut-être d'autres compétitions pour que nos clubs puissent participer aux compétitions internationales pour faire monter le niveau du football martiniquais. Ouais. Merci messieurs, merci Hachan, merci Lionel pour vos analyses. Plaisir Axel. Et à très bientôt dans Madin Foot.
Focus sur l'équipe du CS Casse-Pilote. Les hommes de Maurice Narcisse, 8e du classement en Régional 1, s'apprêtent à rencontrer le Stade Spiritain dans cette seconde phase du championnat. On est à quoi ? 3 points du 5e ? Il y a de la place pour aller chercher la 5e place. Nous ne pouvons pas aller vers l'arrière, les gars. Nous pouvons aller vers le haut. Donc, les gars, on nous met ce qu'on nous en tête, nous, que c'est par la solidarité du groupe, des joueurs, du staff, et derrière, il y a le comité, que nous pouvons faire un bail intéressant. Nous pas ni temps à perdre. Nous pas ni temps à perdre. Hey, José. Oui. Ça va ? Ça va, tranquille. Ça te manque le football ? Pas comme ça aurait pu me manquer, non, ça va. Je donne un petit coup de main aussi au club, au niveau des attaquants, tout ça. Donc, forcément, ça donne envie de jouer. Mais ça va, j'arrive à m'en sortir comme ça, comme je suis là. Bien joué ! Il n'y a plus de gardien, il est fatigué. Ah ! En plus, c'est la télé, frère. Tu fais ça devant la télé, frère. Moi. Ils sont à 7, il n'y a pas 4 buts. Ok ? Il n'y a pas 4 buts. Axel ! Top ! Top ! Ça sert à rien dans YouTube ! Aïe ! Un but. Notre série, je dis. Notre série, vous ridiculisez. Mais quoi, c'est un deuil ? Bien joué, bien, matin. Et les gars, demain, le match est 20h, 18h au Saint-Esprit. Il ne faut pas rester dans la spirale des défaites là, et c'est pas. Voilà, il faut repartir. Il faut repartir là demain. Là. Ça va ? On nous finit, phase aléa, bien. On est à l'extérieur. Il s'agit de venir pour prendre au minimum, je dis, 4 points. Zotan. Enchaînez, les gars. Oui, enchaînez. C'est un match difficile, on sait. Mais bon, je vais tout faire pour le gardien violet. Hein. Rigueur, agressivité dans les deux surfaces et respecter les consignes. 2, 3. Non, dis hein. Où ça? Bien joué les gars, bien joué. Merci. Allez les verts. Alan, quoi? Allez, ça que tu allez, fais les gars, oh! Allez, allez les gars. Allez. Le carouche. Ah mais non, fio. Faut que nous plus fort à 10 les gars. Là c'est rouge. Eh ben voilà, il sale. Il est rouge. Eric, rouge là. Rouge, non, bah, voilà. Moutou. Oui monsieur. Voilà, au moins. Eh, qu'on est, hein. Nous pas qu'à baisser la tête, hein, les hommes. Vous entendez ce que je vous dis? On ne baisse pas la tête. On va chercher l'égalisation. Il y a des duels. Gagnez les duels. Que ce soit sur la partie défensive ou bien sur la partie offensive. Fabien, c'est clair. Ouais.
possible. Bonjour à tous, je m'appelle Mathis Priam, j'ai 21 ans et je suis milieu de terrain à la Samaritaine et en sélection de Martinique. Ben oui, comme surnom, au club c'est Tisma ou Mamat, ça dépend de qui. J'ai commencé à l'âge de 5 ans au club franciscain, j'ai fait toutes mes classes là-bas jusqu'à mes 17 ans et après Guy Michel Nisa et Gael Jomani sont venus me chercher, je suis à la Samaritaine depuis. Ben oui, parce que c'est chez moi. Mais après, à Sainte-Marie, je suis bien. Je me sens comme chez moi, donc ça va. La Samaritaine, en un mot, pour moi, c'est famille. On fait des sorties avec les supporters, c'est une famille, en gros. C'est quand j'ai quitté le groupe franciscain pour signer à la Samaritaine, nous avons joué contre le François au Mont des Est, et on gagne 0 et c'est moi qui marque. Ben, lors d'un bizutage, je chanterai Yardi vécu. Depuis l'école primaire, je marche en Nike-er. L'école va monter comme body. Je te raconte ma vie, pas celle de notes. J'ai promis d'être vrai envers les autres parfois. J'irai dans le tas, ou la quiche, fais les 100 pas sans manger à qui que ce soit. Et oui, sont ceux qui font les plus bons choix. La réussite te donne la fierté. Ma superstition avant d'entrer sur le terrain, j'en ai toujours du pied droit. J'ai rentré du bon pied sur le terrain, c'est mon pied fort, du coup j'en ai du pied droit. Ben, ma célébration préférée, c'est Jude Bellingham. C'est un pro Jude Bellingham. Comme ça. On va dire celui qui m'a appris le plus de choses, c'est Guy Michel Nisas. Après, c'est dans la continuité avec Gael Jomani, j'ai plus de liberté, mais c'est Guy Michel Nisas. Ben, c'est très bien, ça encourage à continuer les efforts qu'on fait tous les jours à l'entraînement. Je me donne une note de 7 sur 10. Bon, après c'est collectif, mais bon, on a perdu en finale de Coupe de France et nous sommes deuxièmes, nous ne sommes pas premiers. Du coup, on a fauté à quelques endroits. Bon, c'est pas parce qu'il joue avec moi, mais bon, c'est Daniel Herrel pour moi. Il est fait pour ça, il est doué. Il m'a appris beaucoup. Je suis arrivé jeune, il m'a pris sous son aile et il m'a appris beaucoup de choses. En un mot, apprentissage. Tout en restant humble, je pense que j'ai le potentiel pour intégrer durablement la sélection. Mais moi, mon vœu pour cette année 2024, c'est de sortir au champion de Martinique. Mais si on se donne les moyens pour, nous avons le collectif pour. Si on travaille sérieusement, ben, je ne vois pas ce qui peut nous empêcher de sortir au champion. Le Crédit Agricole renouvelle son partenariat avec la Ligue de football de Martinique pour les trois prochaines saisons. Notamment dans le cadre des compétitions Challenge Jeunes Crédit Agricole, U13, U15, U17. Ça fait 50 ans que le groupe Crédit Agricole accompagne les équipes locales et l'équipe nationale. Et ce qui nous intéresse particulièrement au Crédit Agricole Martinique-Guyane, c'est en fait les valeurs que porte le football, qui sont très en adéquation avec nos propres valeurs. Et justement, ce qui nous intéresse aussi, c'est le fait que les énergies sont là, à la Ligue de foot de Martinique, pour développer
développer le football dans toutes les communes de Martinique. Ce qu'on retient ce soir, au travers de cette signature, c'est qu'une vingtaine d'équipes seront concernées sur toute l'année pour porter les couleurs de du Crédit Agricole Martinique-Guyane. Et s'il faut donner un chiffre pour, j'allais dire, marquer un petit peu l'impact de cette affaire, ça représente sur l'année 3000 jeunes qui jouent tous les week-ends et plus de 800, voire 900 matchs sur la saison. Prenons le chemin du stade du bourg de Rivière-Pilote où s'est déroulé le deuxième plateau Foot Avenir dédié aux sections U9. Une matinée qui a suscité l'enthousiasme de nos jeunes talents. Je tiens surtout à féliciter le Racing parce qu'on a commencé à l'heure, on a terminé avant l'heure et c'est la première fois sur un plateau qu'on 10 heures pile poil, les matchs sont terminés. Belle ambiance, les enfants se sont super amusés. En tout cas, j'espère que ça va continuer dans cet état d'esprit et que les enfants prendront un maximum de plaisir. On termine cet épisode avec la liesse de nos futurs champions. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Madine Foot.